Buongiorno a tutti, sono Micaela Riccio dell'Ufficio Relazioni Internazionali di Città della Scienza e vi do il benvenuto a Futuro Remoto. Ad aprire l'incontro di oggi, missione microbioma, collegamento al largo del Brasile con il veliero Tara, il direttore del Science Center di Città della Scienza, Luigi Amodio. Prego. Good afternoon, everyone. Welcome to this very interesting online event in the framework of Futuro Remoto. As Michaela was saying, Futuro Remoto this year is in its 35th birthday. So for us, it's a very important day. And this year, the topic of the Scusami, festival. Luigi, ci senti? Sì? Sì? Prego, prego. Siamo tutto Ok, va. continuiamo in Can italiano, in grazie. italiano? Sì. Ah, ok. Allora, e quindi dicevo, il tema della manifestazione di quest'anno è quella delle transizioni. E diciamo, al centro dell'evento di oggi c'è una transizione, come dire, molto fisica, perché è proprio una, come dire, è proprio una navigazione che è quella appunto del veliero Tara che appunto in questo momento si trova in Brasile, ma appunto dopo capiremo meglio appunto che cosa stanno facendo, dove sono e all'interno di quale percorso. Allo stesso tempo, grazie alle ricerche che il veliero Tara ospita, noi parliamo anche di un altro tema molto importante, che è quello della transizione ecologica. È stato uno dei temi proprio principali di questa edizione di Futuro Remoto e anche appunto della salute del mare e degli oceani. E non per caso appunto i due partner che saranno con noi oggi e che fanno parte di questo, che sono i promotori di questo progetto di ricerca, sono da un lato la stazione zoologica Anton Dorn, che è uno, diciamo, degli orgogli della città di Napoli, molto conosciuta sia nel mondo della ricerca per le sue attività scientifiche, ma anche nel mondo della comunicazione per la gestione del suo bellissimo acquario storico, dove tutti noi siamo stati ben più di una volta anche da bambini. E tra l'altro, tra pochi giorni, tra poche settimane, la stazione zoologica aprirà un nuovo museo, sempre nella Villa Comunale di Napoli, dedicato a Charles Darwin. E quindi tutti noi che lavoriamo in questo settore siamo molto curiosi e desiderosi di visitare appunto questa nuova struttura. Dall'altra parte, la Fondazione Tara Ocean, salutiamo il direttore che interverrà più in là, che invece ha un ruolo molto importante sia anche qui in termini di ricerca scientifica che di, come dire, sensibilizzazione su tutti quelli che sono i temi legati appunto agli oceani, al mare e alla sua salvaguardia e alla salvaguardia dell'ambiente. Infine, sempre a nome della Fondazione IDIS, mi fa molto piacere ancora una volta salutare e ringraziare il console generale di Francia a Napoli e direttore dell'Istituto francese, Laurent Biorend-Dossier. Ci siamo visti già ieri in un altro incontro sempre di Futuro Remoto, come dire, a testimonianza del rapporto che c'è tra le nostre istituzioni. Oggi con l'accordo che si è firmato a Roma anche tra i nostri due paesi e appunto una collaborazione che va avanti da molti anni col consolato e con l'istituto francese e che appunto ritorna nella edizione, nella sezione internazionale di Futuro Remoto 2021. Ringrazio anche il pubblico che ci sta seguendo e niente, vi saluto e do la parola al console per il suo messaggio di saluto
a tutti noi. Arrivederci e seguiamo questo interessante incontro. Buongiorno a tutti, bonjour à tous. Forse posso anche continuare in francese, visto che la maggioranza dei nostri ascoltatori parlano questa lingua e anche l'equipaggio della goélette Tara. Quindi, bonjour à tous. Merci à nouveau à la Cité des Sciences et à Luigi Amodio pour cette belle coopération dans le cadre de Futuro Remoto, qui a déjà plusieurs années, qui nous lie depuis plusieurs années avec l'Institut français de Naples et l'Institut français d'Italie. Je crois que la rencontre d'aujourd'hui va être passionnante. Je remercie beaucoup, bien sûr, le commandant et l'équipage de la goélette Tara qui a accepté de se rendre disponible au large du Brésil pour cet échange. Je remercie aussi la station zoologique, grand partenaire scientifique et une institution fondamentale à Naples et en Europe. Et puis voilà, je salue bien sûr les élèves de l'école française Alexandre Dumas et l'équipe pédagogique qui se trouvent, eux, pas loin des cages du Brésil, mais juste à l'étage au-dessous du consulat. Et je pense que vous allez tirer un très grand profit de cet échange inédit. Bon travail à tous. Grazie al console generale di Francia e diamo la parola a Romain Troublet, direttore generale della Fondazione Tara Ocean. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour à tous, à tous les présents à cette conférence. Merci beaucoup d'avoir invité l'équipe Tara, la goélette qui est à bord avec Samuel, le capitaine, et Emmanuel Boss, le directeur scientifique de la mission actuelle, au large du Brésil ou de l'Argentine, entre les deux. Et je suis très fier d'être là avec vous aujourd'hui. La Fondation Tara, elle travaille depuis 18 ans sur deux thèmes majeurs. Hein. Deux idées majeures, c'est un, de soutenir les recherches scientifiques sur l'océan, les recherches sur la biodiversité et tous les enjeux qui viennent déranger cette biodiversité, comme la pollution, le plus en venant de nos territoires, et puis les enjeux de changement climatique et de réchauffement de notre écosystème. Et puis, l'autre pilier de la Fondation, c'est de partager cette mission, et c'est ce qu'on fait maintenant, avec vous, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'écoles françaises et dans le monde entier, avec la EFE, bien sûr. Et merci encore, Monsieur le Consul, pour votre introduction et votre invitation. Et l'autre enjeu, c'est de partager ces recherches aussi avec le monde politique, et c'est là où je rejoins beaucoup le thème de ce congrès cette année, sur les transitions. Effectivement, quand on est en mer, on voit beaucoup de choses se passer, on voit beaucoup de pollution. Et la solution, elle n'est pas vraiment en mer, en fait, elle est à terre, notamment pour les enjeux d'économie circulaire, d'empêcher de polluer nos océans. C'est à terre que ça se passe, la solution. C'est là qu'il faut travailler beaucoup pour améliorer la situation. Voilà, je ne vais pas être très très long, je vous remercier et puis vous souhaiter à tous et toutes une bonne après-midi et des bons échanges avec l'équipage qui sera beaucoup plus intéressant que moi à raconter ce qui se passe à bord. Bonne journée. Audio. Michela, radio. Grazie a Romain Troublet. A questo punto prego la regia di far partire il video.
E quindi adesso andiamo a conoscere la missione Microbioma con Daniele Iudicone, ricercatore alla stazione geologica Anton Dor di Napoli. Daniele? Sì, no, mi dovete permettere la condivisione. Prego. Ecco qua. Allora, grazie a tutti per l'invito e per aver organizzato questo evento. Oggi parleremo soprattutto dell'Oceano Atlantico. Allora, io sono un fisico, un oceanografo, lavoro alla stazione zoologica di Napoli da molto tempo e collaboro da tantissimi anni con la Federazione Tara Ocean, con la Fondazione Tara Ocean, per appunto fare ricerche sugli oceani e sullo stato di salute degli oceani. Oggi parliamo dell'Oceano Atlantico perché stiamo facendo questa grandissima spedizione insieme, in questo oceano che, come sapete, va dall'Artide all'Antartide, compreso tra l'America, l'Africa e l'Europa, ed è un oceano ricco di vita, ricco di ecosistemi, ma che dà anche tanto alla società, per esempio in termini di pesca. Ma cosa ci interessa a noi? A noi ci interessa andare a guardare il mondo invisibile di questo oceano, cioè il plankton. Quello che adesso noi chiamiamo il microbioma degli oceani, come c'è il microbioma nella nostra pancia che ci aiuta a digerire, a vivere meglio in generale. C'è negli oceani questo mondo microscopico fatto di organismi diversissimi tra loro, che è fondamentale per tante ragioni. Innanzitutto ha forme diversissime. Questi, per esempio, sono gli organismi che fanno la fotosintesi, quindi sono delle microalghe, come delle piante microscopiche che vivono negli oceani e che quindi prendono la luce, la catturano e tramite la fotosintesi formano carbonio, insomma, e riescono a vivere, a dividersi, a moltiplicarsi, che poi vengono mangiati invece da dei crostacei microscopici, in questo caso sono dei copepodi, che sono un po' le mucche del mare, nel senso brucano queste piccole alghe e poi arrivano i predatori, i carnivori, e mangiano loro. E così, in questo modo, si sostiene questo ricchissimo mondo di vita che sono gli oceani e tutto quello che ci vive intorno agli oceani. Bisogna considerare, sono tantissimi, di un cucchiaio d'acqua ce ne sono milioni, quando ci facciamo una nuotata in mare ne mangiamo senza volerne a migliaia ogni volta. E sono quindi molto importanti perché regolano il clima. Voi sapete che abbiamo in corso un cambiamento climatico, quindi per fortuna c'è il microbioma degli oceani, gli oceani in generale e il microbioma degli oceani che ci aiutano un po' comunque a ridurre l'impatto dell'inquinamento umano che poi ha portato, sta portando al cambiamento del clima. Ci danno da mangiare perché sono la base della catena trofica alimentare degli oceani, quindi sostanzialmente, per esempio, il pesce che mangiamo viene comunque, la sua forza, la sua massa viene di fatto dal plankton, ma addirittura anche supporta l'acquacoltura, perché per fare acquacoltura, i nostri salmoni, per esempio, bisogna comunque prima pescare dei pesci nell'oceano. Purtroppo noi non li rispettiamo, non rispettiamo questo mondo che sono gli oceani, non rispettiamo il microbioma e come sappiamo, tra le tante cose che facciamo, una purtroppo è quella di inquinare gli oceani. Ma non solo li inquiniamo, ma anche cambiando il clima, stiamo cambiando anche le condizioni di vita di questo microbioma, anche se non sappiamo come, cosa stia succedendo veramente. Uno dei motivi per cui non lo sappiamo è perché gli oceani sono difficili da studiare, nel senso che sulla Terra, in un deserto, in una foresta, tu ci torni facilmente, ritrovi sempre gli stessi organismi, li puoi studiare nel tempo. Negli oceani tutto si muove, tutto è in continuo movimento, e quindi è estremamente difficile in realtà studiare chi ci vive dentro. E questa è un po' una sfida, la ragione perché lavoriamo insieme noi oceanografi, con i biologi, con gli ecologi, con i chimici. Allora, in questo contesto abbiamo lanciato un nuovo progetto grandissimo che coinvolge 36 università e centri di ricerca, che coinvolge non solo tante istituzioni europee, ma anche istituzioni del Brasile e del Sudafrica, progetto diretto da noi qui alla stazione zoologica. E nell'ambito di questo progetto stiamo facendo tante attività, vi durerà 5 anni, tra cui tante attività di formazione dei giovani allo studio degli oceani, ma anche lavoro con le scuole. Insieme all'UNESCO stiamo preparando un kit di literacy per gli oceani, di cui magari un giorno parleremo con la Città della Scienza. Stiamo lavorando con società e altri settori della società per cercare di aumentare l'impatto delle nostre ricerche e soprattutto stiamo cercando di connettere in maniera permanente la ricerca
delle diverse nazioni tra loro. E in questo contesto c'è la spedizione, quindi abbiamo lanciato una serie di spedizioni, scusatemi. Allora, una delle cose importanti di questo progetto sono una serie di spedizioni che stiamo organizzando, alcune già partite, altre che stanno per partire. Una di queste, la più importante sicuramente, quella più ricca di scienza e di tecnologia, è questa spedizione con la Barca Taro, organizzata con la Fondazione Taro Seone e con tanti colleghi sia francesi che di altre nazioni. Con questa spedizione che è una spedizione che è partita qualche mese fa, la parte atlantica, è partita in agosto dai Caraibi e che farà un po' il giro di tutto l'Atlantico e che in questo momento è appunto nel sud del Brasile e abbiamo appunto in diretta i protagonisti di questa spedizione. In questa spedizione, quindi come si fa una spedizione? Si va a mare, con degli strumenti particolari si cerca di capire per esempio la temperatura dell'acqua, la salinità, il pH, ma anche di raccogliere campioni per vedere poi capire quali organismi vivono in queste diverse regioni dell'oceano. Questi appunto sono esempi di attività, sono immagini un po' vecchie, ma sono il modo con cui calando questo strumento insieme alla Rosetta si raccolgono campioni d'acqua poi da analizzare, oppure si usano dei retini, per esempio, dei piccoli retini con cui si raccoglie tutto quello che c'è in acqua e poi lo si analizza al microscopio, ma si anche a vedere il DNA, eccetera, eccetera. Dove andremo con questa spedizione? Faremo un giro bellissimo tutto intorno all'Atlantico. Abbiamo già studiato un po' cosa fa il Rio dell'Amazzoni, l'impatto del Rio dell'Amazzoni nell'Atlantico. Siamo andati vicino a dei vulcani sottomarini nel sud del Brasile, adesso stiamo continuando a cercare di capire come funziona la vita lungo le coste del Brasile. Andremo poi in Africa, dove cercheremo di studiare l'impatto dei grandi fiumi africani, come il Congo, per esempio, e così come poi, prima di andare in Africa, ci sposteremo in Antartide. In Antartide, per esempio, una delle cose che vogliamo capire è se questi grandi iceberg, sempre più numerosi a causa del riscaldamento globale, hanno un impatto sulla vita negli oceani. Finisco raccontando, prima di passare la parola ai nostri colleghi a bordo, raccontando una piccola curiosità. Il prossimo pezzo della spedizione, quello che avverrà in Argentina, inizierà nei prossimi giorni, è anche un po' un incontro storico, perché faremo questa spedizione, noi Tara, che ha già fatto la storia della scienza, con una barca che si chiama Atlantis, che è una barca del 1930, che era di proprietà di Woodsall, insomma una specie di distaccamento dell'MIT a Boston, e che ha fatto la storia dell'oceanografia con le prime grandissime scoperte sul funzionamento degli ecosistemi, ma anche in generale degli oceani. Quindi sarà un incontro emozionante che stiamo già vivendo ed è una delle tantissime avventure di questa esperienza. Mi fermo qui, non voglio rubare altro tempo, non so se abbiamo il tempo per vedere brevemente il video sul microbioma, altrimenti Michela lascio a te la parola. Grazie a Daniele Iudicone. Prego la regia di mandarci il contributo video sul microbioma. Lorsque la Terre fut observée pour la première fois depuis l'espace, elle reçut le nom de planète bleue. Mais avions-nous imaginé que l'océan était habité par un peuple invisible, incroyablement puissant, le microbiome marin? Ce monde immense de microbes planctoniques soutient la vie sur Terre et régule aussi son climat. Nous aussi dépendons d'un microbiome, le microbiome humain, composé de tous les microbes de notre corps. Il digère nos aliments, stimule notre immunité et nous aide à combattre virus et bactéries. Sans lui, nous ne pourrions survivre. Il en va de même pour le microbiome marin, indispensable à l'équilibre et à la santé de l'océan. Depuis 3 milliards d'années, les cellules de phytoplancton, protistes et bactéries oxygènent le monde. Avec d'autres micro-organismes, ils fournissent nourriture et énergie pour tous. Ils séquestrent autant de CO2 que toutes les plantes sur Terre, tout en produisant l'oxygène que nous respirons.
La Fondation Tara Océan a lancé la mission Microbiome pour étudier le microbiome marin dans sa globalité. Des virus jusqu'aux bactéries, protistes et larves. L'expédition explore les relations encore méconnues entre ces organismes du microbiome et le reste de l'écosystème marin. En partenariat avec des laboratoires à travers le monde, l'objectif de la mission est de comprendre comment le microbiome marin fonctionne, comment il réagit face au stress actuel tel que le changement climatique et la pollution. L'océan est la clé de la vie sur Terre. Suivez l'aventure et découvrez cet invisible océan de vie. Bene, a questo punto andiamo a conoscere l'equipaggio e do la parola al capitano Samuel Audren, capitano della goélette di Tara. Oui, bonjour à tous, tout spécialement aux enfants, petits et grands. Donc je m'appelle Samuel, je suis capitaine. J'ai commencé à travailler à bord de Tara il y a 17 ans, donc il y a quelques années. Et là, on est actuellement dans la timonerie. C'est là qu'on suit, qu'on fait les cartes de navigation, là qu'on suit la navigation. Et donc, je suis avec Emmanuel Boss, qui est un des scientifiques de cette partie de la mission. Et donc, comme on l'a dit brièvement, on est parti depuis déjà un an de France. Et donc, on est sur une mission actuellement de 2 ans. Et voilà, et puis pour faire cette mission-là, donc, on est une équipe de 14 personnes à bord. Donc, ça fait 6 marins qui se relaient tous les 3 mois et une équipe de scientifiques également qui se relaient régulièrement lors des différentes escales. On a la particularité à bord d'avoir également souvent un journaliste avec nous qui est là pour partager le projet et un artiste. Et actuellement, donc, nous avons un artiste brésilien. On est en navigation depuis une semaine. On a quitté le Brésil il y a une semaine. On a fait 3 jours de prélèvement sur la route. Et on arrive demain à Buenos Aires. Je passe la parole à mon collègue Emmanuel Boss. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Mon nom est Emmanuel Boss. Je suis océanographe basé aux États-Unis depuis 30 ans. Mon rôle à bord, c'est comme tous les scientifiques, c'est faire marcher les instruments et prendre des prélèvements. En addition aux prélèvements qu'on fait de temps en temps, tous les 2 jours par exemple, on a des instruments qui prennent des mesures en continu partout où le bateau va. Et j'ai des instruments qui font des mesures en continu du bateau, en particulier pour les propriétés optiques de l'eau, depuis 2009 sur Tara, quasi continuellement. Merci. Grazie al capitano, grazie a Manuel Boss, è veramente molto emozionante essere in collegamento con voi. Ci abbiamo 2 classi collegate che hanno preparato delle domande, quindi io volevo invitare i ragazzi della scuola francese Alexandre Dumas di Napoli di avvicinarsi al microfono e di porre le loro domande all'equipaggio. È un'occasione veramente unica. C'ho qui una lista di ragazzi, non so se seguiamo l'ordine, chiamerei Alessia a leggere la prima domanda. Merci, Alessia arriva. Est-ce que vous nous entendez? Sì, bene. Qu'est-ce que c'est le microbiome? Manu, c'est pour... Manu, c'est pour toi la question. Je pense à toi de répondre si ça t'est dit. Hein. C'est... Ok, j'ai pas entendu la question, mais je l'ai en face de moi. C'est qu'est-ce qu'est le microbiome? Donc, je vais répéter un peu ce qu'a dit Daniele. Le microbiome est compris de tous les organismes qui sont
tout petits dans l'océan qui bougent avec les courants en particulier. Ça va des virus jusqu'aux petits poissons et petits crustacés qu'on attrape dans les filets. Tous ces organismes sont très différents l'un de l'autre. Il y en a qui font de la photosynthèse, il y en a qui mangent d'autres, il y en a qui nagent, il y en a qui nagent pas, ils nagent un peu. Il y en a que pour reproduire, comme les virus, ils doivent rentrer dans un autre organisme pour pouvoir se reproduire. Et il y en a beaucoup qui ont des capacités, par exemple, de faire de l'azote utile pour les organismes à partir de l'azote gaz qu'on a dans l'atmosphère, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses différentes que chacun de ces organismes ou groupes d'organismes font à l'intérieur de l'écosystème. Abbiamo altre domande? La domanda di Learco. Voilà. Bonjour. Quelle est la fonction du microbiome des océans? Donc, la fonction du microbiome, comme l'a dit Daniele avant moi et comme vous avez vu dans le film, c'est vraiment la base. Il y a plusieurs fonctions. La première, c'est être la base de la chaîne alimentaire marine. Donc, de notre point de vue, c'est une fonction importante. Une autre très importante, c'est de faire partie de beaucoup des changements de matière dans l'océan. Ça veut dire la production d'oxygène, la consommation du CO2 et aussi faire partie de beaucoup d'autres cycles d'éléments dans l'océan. Beaucoup de ces cycles se font à l'intérieur du microbiome et sont critiques pour l'évolution de la planète au passé et pour le climat d'aujourd'hui. Abbiamo una domanda adesso di Caterina. Voglio invitare i ragazzi magari di avvicinarsi dal microfono, così riusciamo a farle tutte le domande, che sono tante e non perdiamo tempo. Allora, Caterina, la tua domanda. Microfono. Ok. Ma question, c'est en quoi le microbiome est-il important? L'importance du microbiome, comme je l'ai dit avant, c'est en nourrissant la chaîne alimentaire, un, et deux, en avant, était responsable de l'évolution de la vie sur Terre, mais aussi bien être très importante dans le passage d'éléments différents et leur transformation dans les océans. Une planète sans microbiome serait très différente de la planète qu'on a aujourd'hui. On n'aura, par exemple, pas d'oxygène dans l'air. On n'aura pas d'atmosphère. Il y a beaucoup de choses et on peut regarder à d'autres astres pour se demander est-ce qu'on serait comme Vénus, par exemple, si on n'avait pas de microbiome sur Terre qui a évolué et qui a évolué la vie pour nous au passé. Donc, c'est critique pour le bien-être des humains sur Terre qui a le microbiome dans la mer, aussi bien que dans notre corps, comme disait Daniele, parce que si on fait l'analogie, le rôle du microbiome, c'est aussi de digérer les matières qui sont dans l'eau et les retransformer à des matières utiles pour d'autres organismes. Aliette e Liliana. Se già si prepara per la sua domanda. Combien d'espèces avez-vous étudié? Um,
Merci, Ariane. C'est une question difficile pour moi de répondre. On peut dire 150 000. Là, je ne sais pas qui vous traduisez, si c'est moi ou bien Daniel. On a séquencé des millions de gènes. Interprété. On a séquencé des millions de gènes d'espèces différentes. Ce séquençage, c'est très superficiel. Ça veut dire on sait pas toujours à qui ces gènes appartiennent. On peut seulement les comparer à des gènes qui sont déjà étudiés et dans des librairies. Donc, on fait une grande partie ici d'exploration, ça veut dire de voir qu'est-ce qui existe dans l'océan. Et puis, avec certaines espèces, on approfondit plus et on les étudie en particulier. Par exemple, les coccolithophores qu'on va étudier dans les eaux d'Argentine qui viennent. Il y a autour de 100 scientifiques différents au moins qui étudient ces données à l'intérieur de l'équipe TARA, il y en a plus à l'extérieur. Et donc, c'est très difficile de dire exactement le nombre d'espèces qui sont étudiées avec la base de données produite par TARA. C'è Liliana e Umberto. Qu'indiquent les échantillons que vous avez récoltés sur la santé des océans? Très bonne question aussi, Emiliana. Ce que je connais du travail qui a été fait, on a comparé des échantillons de TARA avec des échantillons qui étaient pris 142 ans avant avec le Challenger Expedition. Est-ce qu'on a vu que certaines espèces de foraminifères qui sont enrobées de calcaire ont moins de calcaire, à peu près à 70% de ce qu'il y avait dans le temps du Challenger. Donc, on a vu qu'il y a un impact de l'acidification des océans sur les espèces marines. Il y a des espèces qui sont impliquées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. On a aussi vu que la température des océans est très, très importante dans la configuration de l'écosystème. Et comme on sait et on mesure le changement de température de l'océan, on est capable de voir comment il y a une migration d'espèces dans des eaux où ils n'étaient pas avant. Canale, interprète. Maintenant, est-ce que ça dit que l'océan a moins de santé qu'il ne l'avait avant? On ne sait pas encore, à mon avis. On est encore en train d'étudier la chose. Pour savoir si l'océan change, il faut d'abord avoir une base de données, savoir qu'est-ce qui est là pour pouvoir dire ce qui change. Et il nous manque beaucoup de savoir. Il faut faire beaucoup d'explorations, et TARA est très importante en ça, pour savoir qu'est-ce qui est là avant de pouvoir dire ce qui change. Et comme on fait maintenant en comparant avec le Challenger Expedition du passé et d'autres, c'est par cette comparaison qu'on est capable de dire « Ah oui, on voit un vrai changement dans les espèces et dans leur forme. » Daniel, la tua domanda. Si prepara Viola? La situation des océans, quelle est celle que vous avez imaginée? Vous pouvez répéter la question? La situation des océans est celle que vous avez imaginée? Moi, je cherche à ne pas trop imaginer et explorer sans avoir des biais. L'océan me paraît à l'œil humain merveilleux et un très bel espace
sur lesquels passer de temps. Je passe autour de 2 mois par an à faire des recherches sur l'océan et je le trouve magnifique. Quel est l'océan le plus grand? C'est une domanda anche tu? Vas-y, Daniel. Quel est l'océan le moins pollué? L'océan le moins pollué, c'est probablement les océans où il y a le moins d'humains qui sont à côté d'eux, comme l'océan austral et comme l'océan arctique. Malgré ça, dans tous les océans, on trouve de la pollution humaine, et cette pollution a plusieurs aspects. Ça peut être du plastique qu'on trouve partout, mais pas en énorme quantité. Et ça peut aussi être le fait que l'océan est plus acide qu'avant parce qu'on pompe beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et ça peut aussi être le changement, d'une certaine manière, le changement climatique qui change l'océan et peut apparaître pour certains comme une pollution, dans le sens que ça change les conditions par rapport à ce qu'elles étaient avant. Et ça, ça se passe partout, dans tous les océans, mais d'une manière peu autant. Ça prend du temps pour voir les effets. C'est pas énorme et pas exaspérant, sauf dans certaines régions, par exemple les gyres de plastique, où le plastique se concentre par les courants marins. Et donc là, c'est très choquant, c'est très visible. Mais sinon, l'eau qu'on voit dehors d'ici nous paraît très propre. Viola. Alors, est-ce que la pollution est plus concentrée en surface ou en profondeur? Donc, la pollution, la position de la pollution dépend de la densité de la matière. Si elle est moins dense que l'eau, elle sera en surface, comme beaucoup des plastiques. Et si elle est plus dense que l'eau, elle tombera et s'accumulera sur le bas des océans, en grande profondeur, si c'est au milieu des océans. Et il y a très peu de matière qui a exactement la densité d'une certaine couche d'eau. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que la pollution, elle est ou bien en surface, et celle-là, en fin de compte, on la retrouve sur les plages, comme la pollution plastique, elle finira sur une plage après beaucoup d'années. Et si ce n'est pas sur une plage, ça sera très bas en profondeur dans l'océan. Clément, c'est une domanda? Clément, c'est une domanda? Sinon, passons à Anna Maria. Ah, ok, d'accord. Oui, donc, quel est le parcours des déchets plastiques dans l'océan Atlantique? Le parcours dépend des vents et des courants. Donc, dépendant de l'endroit où le plastique rentre dans l'océan, ça veut dire si c'est par les côtes ou si c'est en pleine mer, le plastique ira, s'il flotte, ira avec les courants et sera aussi poussé par le vent. Ce qui veut dire que dans certains gyres, les gyres subtropicaux, dans le nord et le sud du Pacifique, ils vont s'accumuler au milieu du gyre, tandis que les gyres qui sont subpolaires, là, ils vont sortir vers l'extérieur et se retrouveront sur des plages. Mais enfin, après beaucoup de temps, après beaucoup d'années, tout le plastique flottant se retrouvera à la fin sur une plage. À moins qu'il s'accroche à quelque chose de dense et finira en grande profondeur. Anna Maria, et si prépare Pierre. Avez-vous remarqué les améliorations de la santé des océans depuis les accords des COP? Bonne question. C'est très difficile de voir des changements sur une échelle aussi petite du temps. Pour pouvoir
voir des changements. Il faut avoir le suffisamment de temps pour prendre des échantillons avant et après le changement de ce que font les gens. Par exemple, même sur Terre, malgré le fait que beaucoup d'États maintenant ont arrêté l'utilisation du plastique dans les supermarchés, par exemple, on voit le décroît de déchets, mais ça prend du temps pour qu'on ne le verra plus sur les plages, par exemple. On le voit encore dans les plages parce que ça vient d'autres pays, parce que ça a été accumulé sur beaucoup de temps. Donc, pour pouvoir voir ce changement, il faudra attendre, mais c'est très important qu'on prenne des mesures aussitôt que possible, parce que ne pas faire d'action veut dire que ça continuera à devenir de pire en pire dans le futur. Quelles sont les conséquences du réchauffement sur les océans? Les conséquences du réchauffement climatique sur les océans est telle que certaines espèces qui sont sensibles à la température deviennent plus stressées. D'un autre côté, il y a d'autres espèces qui préfèrent les températures chaudes, qui viennent coloniser des endroits où elles n'étaient pas avant. Donc, c'est pas, ça bénéficie certains et c'est mauvais pour d'autres. Comme sur Terre, il y a des endroits sur Terre, par exemple le Maine où j'habite, où l'hiver deviendra plus doux et moins difficile pour les humains. Mais il y a d'autres endroits qui deviendraient des déserts où il n'y avait pas de désert avant. Donc, on ne peut pas dire que c'est mauvais ou bon pour tous les organismes. Il y a des organismes pour lesquels ça améliore les conditions, d'autres pour lesquels ça devient plus difficile. Mais pour l'instant, c'est de l'ordre de grandeur d'un degré et demi, à peu près un degré et demi, ce qui n'est pas encore critique pour beaucoup d'organismes. Mais plus on réchauffe, plus ça peut devenir critique pour certains organismes, comme par exemple les coraux. Les coraux, là où ils se trouvent aujourd'hui. Ça se trouve que peut-être les coraux vont trouver des endroits où avant ils ne pouvaient pas grandir, mais maintenant, parce qu'on réchauffe, ils pourront grandir et ils vont changer d'endroit où ils habitent. Pouvons-nous mener des actions pour participer à vos recherches? Absolument. Donc, il y a plusieurs voies par lesquelles les citoyens peuvent aider Tara. Il y a une association qui s'appelle Plankton Planète, qui est associée avec Tara, qui équipe des marins qui ne sont pas scientifiques avec des kits pour échantillonner l'océan. Il y a d'autres associations qui ont des applications par téléphone, par exemple, sur lesquels vous pouvez, quand vous allez sur les plages, mettre des informations sur des déchets que vous trouvez ou des méduses que vous trouvez. Et troisièmement, si ça vous intéresse personnellement, vous pouvez aller faire des études avancées en physique, biologie, chimie marine ou bien vouloir être mécanicien à bord ou capitaine ou des gens de communication pour passer la communication sur les océans et venir sur la goélette dans 10 ans après que vous avez fait ces études et contribuer à la science qui se fait sur ce bateau ou d'autres. Avez-vous voyagé dans tous les océans? Alors, je vais juste continuer à répondre à la précédente question. Là, je vais compléter ce qu'a dit Emmanuel. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de savoir qu'à bord du bateau, finalement, il y a tous les corps de métier. Comme l'a dit Emmanuel, il y a des mécaniciens, il y a des scientifiques, il y a des journalistes, il y a des artistes, il y a des cuisiniers. Donc, en fait, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve que c'est sympa de dire à vous, les élèves, qu'en fait, il suffit de choisir... Essayez de voir quel est le domaine qui vous passionne le plus et puis se former dans ce domaine-là pour pouvoir ensuite faire un métier passionnant. Et pour compléter aussi la réponse, sur le site internet, il y a beaucoup de contenu. Donc, moi, je vous invite à aller regarder le site internet de la Fondation
Et il y a beaucoup d'éléments de réponse à toutes vos questions et des travaux qui ont déjà été faits par d'autres élèves, d'autres étudiants. Et il y a beaucoup d'actions qui peuvent être drivées, qui peuvent être accompagnées par les professeurs. J'ai plusieurs noms là sous les yeux, qui s'appellent Du bateau au labo, Dans le sillage de Tara, Plastique à la loupe, etc. Ça, vous allez retrouver ça sur le site. Et tout ça, c'est des outils qui sont développés par la Fondation pour permettre aux étudiants de suivre les recherches de Tara en adéquation avec leur programme scolaire. Ouais. Et donc, si je continue à répondre à la question que vous avez posée. Si elle avait une demande. Donc, la question suivante, c'était avez-vous voyagé dans tous les océans ? Oui. Donc le navire Tara, en fait, il a 30 ans. Donc, c'est sûr qu'il a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Il a été dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Mais malgré ça, le monde est vaste. Et on fait encore beaucoup d'escales où on n'a jamais été, tout simplement. Donc malgré ces 30 années de voyage, il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Ouais. Abbiamo ancora le ultime domande, Viola. Quel lieu avez-vous préféré et pourquoi? Alors, je n'ai pas entendu la question, mais je me doute que c'est quel lieu avez-vous préféré et pourquoi? Merci Viola pour la question. Oui, c'est ça. Merci Viola pour la question. Et du coup, bon, moi, ça fait quelques années que je travaille sur Tara. Et une de mes premières missions a été de partir se faire prendre dans les glaces du pôle Nord. Et donc, j'ai eu la chance de rester à bord pendant 11 mois au pôle Nord, dans les glaces. Et donc, j'ai pu vivre des mois de nuit polaire et des mois d'été avec le soleil permanent. Et ça a été pour moi très, très, très intéressant parce que c'était un projet très complet d'aventure humaine, d'aventure loin de tout. On avait l'impression d'être sur une autre planète. Et c'était pour moi mes débuts de la rencontre avec des recherches scientifiques. Et je vais passer la parole à Emmanuel parce qu'évidemment, il a une autre expérience à bord du bateau. Ben, mon expérience aussi s'est passée dans l'Arctique. J'ai passé un mois et demi sur le bateau entre la Sibérie, l'Arctique canadien et le Groenland, et j'ai trouvé l'Arctique absolument passionnant. On ne voyait pas de vert, la couleur verte n'existe pas dans le Groenland du Nord ou dans l'Arctique canadien. C'était absolument extraordinaire d'être dans un endroit où on voit de la glace, de l'eau et des rochers, et avec quand même une richesse marine très importante. J'ai trouvé ça fascinant, très différent et très excitant, et j'aimerais bien retourner au Groenland au plus tôt possible. Quelles sont les deux choses positives ou négatives qui vont le plus marquer depuis votre départ? Pour les choses positives ou négatives, moi ce que je trouve, ce qui m'a frappé en fait quand j'ai commencé à travailler sur Tara. En fait, je suis pas scientifique du tout, et je pensais que les scientifiques avaient une grande connaissance du milieu, mais finalement, on se rend souvent compte que finalement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et ça fait plaisir. Moi, j'étais surpris en Arctique de faire des mesures d'épaisseur de glace. Je pensais que les satellites savaient le faire depuis longtemps, et encore les jours précédents, là, de voir les scientifiques tout excités devant leur échantillon et de se demander quelles espèces sont présentes dans les échantillons, je trouve ça super. Voilà, encore beaucoup de choses à découvrir pour tout le monde. Moi, j'ajouterais le côté humain sur ce bateau, qui est absolument spécial dans tous les domaines. C'est un navire qui est très démocratique. Tout le monde participe dans presque toutes les tâches, en particulier toutes les tâches de nettoyement de bateau. On aide à la cuisine. On aide avec les voiles quand on peut,
et ça fait une vie à bord qui est très, très différente de d'autres navires océanographiques. C'est beaucoup plus démocratique et beaucoup plus sympa. Et quelquefois, on danse à bord, on chante à bord, quand on a le temps, on s'amuse bien. Quand on est dans les ports, ça fait une atmosphère très spéciale, très humaine et très unique. Pouvez-vous nous décrire une journée type ? Alors, une journée type, je vais répondre pour une journée type en mer, parce que c'est vrai que là, c'est un peu particulier. Nous, quand on est en navigation, bah, il se passe quelque chose à bord 24 heures sur 24. Il y a toujours des gens qui sont en train de dormir ou des gens qui sont en train de réveiller, voilà, qui sont réveillés en train de suivre la navigation. Et après, les jours où on a une journée de collecte scientifique, c'est encore différent. Ces derniers temps, en fait, la journée de collecte commence tôt le matin avec le lever du soleil. Donc, généralement, c'est vers 5h30. Et là, pendant toute la journée, donc grosso modo, pendant 14 heures, on va mettre des appareils à l'eau comme des filets. Et pour récupérer des échantillons qu'on va stocker à bord du bateau pour ensuite les envoyer vers les différents laboratoires. Et sinon, pendant tout ce temps de prélèvement, les marins vont se relier au quart de navigation pour surveiller en fait la bonne marche du navire. Voilà. Et après, la nuit, on continue évidemment à faire des quarts de navigation et on partage les quarts avec les scientifiques. Ou les non-marins, donc ça peut être l'artiste, ça peut être le journaliste. Voilà, voilà. Comment on s'alimente au milieu de l'océan ? Alors, comment on s'alimente en mer ? Eh bien, en fait, on est 6 marins à bord, comme je vous ai dit, et donc il y a un cuisinier, en l'occurrence Carole, une cuisinière actuellement, qui est en charge de la préparation des repas. Et là, vous entendez peut-être la cloche. On vient de sonner la cloche parce que c'est midi à bord. Et ça veut dire que c'est l'heure d'aller manger. Et donc, en fait, bah, on s'alimente un peu comme partout. Hein. On a nos 3 repas. On mange très bien. On a nos 3 repas quotidiens. Et voilà. Donc, voilà, vous entendez la cloche pour le repas. Que faites-vous pour vous alimenter, pour vous amuser? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser à bord? Alors, bon, bah, c'est différent pour chacun, mais c'est vrai qu'en ce moment, on en voit qui jouent aux cartes le soir. Une activité assez facile à mettre en place, c'est la lecture, bien évidemment. Voilà, après, il y en a qui jouent de la musique. Donc, quand on peut, on est content de sortir les instruments. Après, j'aurais envie de dire que c'est un petit peu la difficulté parfois à bord de se divertir, dans le sens où il y a toujours quelqu'un qui est en train de travailler à côté de soi. Donc finalement, c'est parfois un petit peu difficile de sortir quelque chose pour s'amuser, sachant qu'il y a toujours du travail à faire et qu'on vit en permanence sur notre lieu de travail. Tu veux ajouter un truc ? Ben voilà. Grazie capitano, grazie a Emmanuel Boss e grazie ai ragazzi della scuola francese di Napoli. È interessante vedere come le vostre domande si siano tarate prima su un aspetto molto scientifico e poi sono venute alla vita quotidiana che riguardava un po' gli aspetti più pratici dello stare su terra. E quindi io a questo punto pregherei la regia di mandare proprio il video sulla vita sul veliero, che ci dà proprio il senso della vita quotidiana. Bienvenue à bord de Tara. Je m'appelle Samuel, je suis capitaine du navire. Donc on est actuellement sur le bateau de la fondation Tara Océan. C'est une goélette à deux mâts, 27 mètres de haut, 10 mètres de large, 36 mètres de long. Depuis 2003, on parcourt tous les océans du monde pour étudier les océans, pour mieux les comprendre, pour mieux les protéger. On utilise cette expertise scientifique de haut niveau pour sensibiliser, éduquer les jeunes générations, mobiliser les décideurs politiques et on cherche bien évidemment à partager toute cette connaissance avec les autres pays qu'on traverse. Donc actuellement on est parti sur une mission de 2 ans, Tara Microbiome,
On est passé par la Patagonie, on est en train de longer les côtes chiliennes, côté Pacifique, et ensuite on va se concentrer au bassin sud-atlantique, des côtes sud-américaines aux côtes sud-africaines en passant par l'Antarctique. Sur cette mission, on cherche à comprendre les interactions entre tous ces micro-organismes ainsi que l'interaction qu'ils ont avec leur environnement. Pour cette mission, on est 14 personnes à bord, ça fait 6 marins, 5 à 7 scientifiques, un journaliste et parfois un artiste. Je vous invite à les rencontrer pour continuer la visite du bateau. Bonjour, je m'appelle Douglas Couette, je suis biologiste marin à bord de Tara. Bienvenue sur le pont arrière du bateau. C'est un lieu de grande activité lors des stations puisque c'est d'ici que, avec les marins, nous mettons à l'eau les instruments scientifiques. Voici par exemple la Rosette, qui est un instrument très important pour nous parce que grâce à ses bouteilles, il nous permet de prélever l'eau en profondeur et de la ramener à bord du bateau. La Rosette, c'est aussi un outil technologique parce qu'elle a différents capteurs qui nous permettent tout au long de la descente de mesurer, de caractériser les paramètres physico-chimiques des masses d'eau. Par exemple, la température, la salinité ou la concentration d'oxygène. La Rosette, on peut l'amener jusqu'à 1000 mètres de profondeur et ainsi prélever de l'eau 2000 mètres jusqu'à la surface. Un autre instrument important que nous avons à bord, ce sont les filets à plancton. Nous en avons 6 différents à bord qui nous permettent de prélever le plancton de 20 micromètres jusqu'à 2 mm. Quand tous ces outils nous reviennent ici à bord du bateau, on va conditionner les échantillons ici sur cette table, dans le wet lab, mais aussi dans un laboratoire sec à l'intérieur du bateau. Voilà, donc sur une station normale, on va pouvoir déployer par exemple 9 traits de filet et 8 rosettes. La totalité d'échantillons que l'on a sur une journée de travail, c'est environ 250 échantillons qui seront conditionnés ici à bord du bateau sous différentes formes. Ça peut être des petits tubes, ou des gros flacons dans du formol ou dans de l'azote liquide. Et tous ces échantillons, ils sont ensuite envoyés dans tous les laboratoires partenaires dans le monde entier. Eh bien bonjour, moi c'est Eric, je suis chercheur à bord de Tara. Vous êtes ici dans le Wet Lab, qui est le lieu de filtration, où sur cette rampe de filtration, on traite l'eau qui sort de la Rosette afin d'extraire les organismes planctoniques avant de les stocker en azote liquide et les envoyer au laboratoire où ils seront étudiés pour être séquencés et comprendre leur fonctionnement. Bonjour, je suis François, donc je m'occupe de la partie pont du bateau de Tara depuis une dizaine d'années. Là on est en station, donc on s'occupe de mettre des filets à l'eau. C'est des filets de surface en ce moment. On fait aussi des filets verticaux pour aller en profondeur à 150 mètres. Voilà, pour être sûr d'être à 150 mètres, on a ce qu'on appelle un scanmar qui est sur la Rosette là. Voilà, le scanmar, c'est un peu le transpondeur sur les avions. C'est un peu pareil, il y a un émetteur, un récepteur. Et du coup, on a la profondeur exacte de tous les filets. Numéro 1, 80-102. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bain, je suis second capitaine à bord de Tara. Bienvenue dans la timonerie du bateau. Cet espace est dédié à la tenue de quart du bateau, c'est-à-dire que les marins se relaient jour et nuit pour faire la veille. Grâce aux différents instruments de navigation, on a des radars, on a des GPS, la table à quart, des VHF, un pilote automatique. C'est aussi ici en journée qu'on assure la science avec la cellule arrière qui met les filets à l'eau. À ce poste, on repositionne le bateau pour la mise à l'eau des engins scientifiques. Salut Maëva, moi c'est Sophie, je suis une des marins cuisinières à bord de Tara et mon rôle à bord, je suis en charge du bien-être du microbiote et de tout l'équipage, c'est-à-dire cuisiner et mitonner des bons petits plats avec amour et passion évidemment. Je suis aussi en charge de tout l'approvisionnement du bord en termes de nourriture et de la gestion des stocks. Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis journaliste à bord du Tara. Donc ici, on est dans le Grand Carré. Le Grand Carré, c'est vraiment le cœur névralgique de tout le bateau. C'est là où on se retrouve pour manger, pour travailler, pour échanger ensemble. Et c'est aussi là où on voit les tâches ménagères qui nous sont attribuées. Donc chaque jour, on a une tâche ménagère différente. Par exemple, faire la vaisselle, faire le service, passer l'aspirateur. Le but, c'est que le bateau reste rangé parce qu'on est 14 à vivre dans un espace confiné, donc on a besoin de planning comme ça, que tout soit bien millimétré. Pour continuer la visite, je vous présente nos deux super toilettes. Vous pouvez les voir comme ça, là. Petites mais efficaces. Puis notre salle de bain, alors notre salle de douche même.
Et voici ma cabine que je partage avec Sophie qui est marin cuisinière. Donc moi je dors ici sur cette bannette. Voilà, c'est petit mais c'est confortable. On a des places pour mettre tous nos rangements, toutes nos affaires. On s'y sent bien. Bonjour, ici Milena, donc je suis la technicienne en charge du coup des protocoles microplastiques pendant la mission Microbiom. Ici on est dans le Sorting Lab, donc c'est l'endroit où vont arriver les échantillons qui ont été prélevés avec les différents filets, le bongo, le manta, ou encore les échantillons du coup qui ont été prélevés avec la rosette. Donc on va les analyser avec différents instruments comme le Flocam, qui va permettre du coup de quantifier le nombre de particules qu'on va avoir dans un certain volume d'eau. Ensuite derrière moi on a des rampes de filtration qui vont permettre du coup de connaître les propriétés physico-chimiques du coup comme le gaz carbonique dissous qu'on va retrouver dans un échantillon. Salut, je suis Joseph, un ingénieur océanographique et nous voici dans l'Underway Lab d'Outara. Le système Underway, c'est un système qui nous permet de collecter beaucoup de données océanographiques. Il y a un captage d'eau à l'avant du bateau et cette eau il passe pour différentes instrumentations océanographiques comme la salinité, la température, la fluorescence, etc. C'est un système qui travaille en continu, les jours et les nuits. C'est pour ça que pour nous, c'est une source d'information très importante. Sur cet ordinateur, par exemple, on peut voir les données de salinité et température pendant les derniers 10 jours au long de la côte chilienne. On peut voir dans cet ordinateur aussi les données de fluorescence pendant les derniers 10 jours. C'est une information et des données qui, après, les scientifiques ils vont étudier et, pour comprendre la dynamique océanique et comprendre qu'est-ce qu'il passe dans l'océan. Nous sommes donc dans la cale avant. Moi, je m'appelle Monche et je suis marin à bord de Tara et puis responsable de l'entretien du pont en général. Donc ici, la cale avant, c'est un espace de stockage dans lequel vous allez pouvoir trouver eh bien, tout ce qui concerne le pont et les voiles, etc. Mais également des congélateurs et des réfrigérateurs qui permettent de conserver eh bien, les échantillons, mais aussi la nourriture, puisqu'ici, on a deux réfrigérateurs et un congélateur pour la nourriture. Et ici devant, des fruits et des légumes qui sont stockés là. Dans la cale avant, on va également trouver eh bien, un groupe électrogène qui va nous permettre de faire l'électricité. Et ici, on a le désalinisateur qui nous permet donc, de, grâce à l'eau de mer, de fabriquer de l'eau douce qu'on utilise à bord pour les douches, la vaisselle et puis un peu pour boire aussi, mais pas directement. Et on a une réserve qui est sous mes pieds ici, une cuve qui fait 5300 litres d'eau douce. Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis le mécanicien du bateau. Donc mon rôle, c'est d'entretenir les moteurs, mais aussi de produire l'électricité dont on a besoin pour la lumière, pour utiliser le treuil océanographique, pour la navigation. C'est aussi de produire l'eau douce dont on a besoin pour boire, pour prendre les douches ou pour pouvoir utiliser la machine à laver. Ici, c'est l'atelier, donc on a beaucoup de pièces de rechange et d'outils pour pouvoir réparer tout ce qu'on a à bord. Ici, on est dans la salle des machines. Donc on a deux moteurs, les deux grosses pièces en bleu c'est les réducteurs, un peu comme une boîte de vitesse dans une voiture, et puis derrière on a les lignes d'arbres avec les hélices au bout. Donc on a deux lignes complètement indépendantes, comme ça on peut faire de l'entretien, même si on a une avarie, on a toujours un autre moteur qui est disponible. J'espère que la visite vous a plu, si vous voulez vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur internet. Allez, au revoir. Con questo video davvero abbiamo fatto una visita virtuale sulla vostra Tara e è molto emozionante essere in collegamento con voi. Volevo vedere se chiedervi se riusciamo a vedere anche fuori, riuscite per caso a farci vedere, diciamo, con la telecamera l'esterno? Oui, je vais essayer de vous emmener dehors, on va voir si la connexion tient. Alors là, je sors de la timonerie. Proviamo. Comme ça, je... Ecco, sì, vediamo. È anche una bella giornata. Troppo, abbiamo usato troppo. Eccoli.
Però non vi sentiamo adesso. Riuscite dalla regia a attivargli il microfono? Sono muti? No, ho fatto una richiesta. Ecco, però ci stanno portando proprio ad esplorare tutte quelle zone che prima abbiamo visto nel video, adesso le stiamo vedendo dal vivo ed è una cosa straordinaria. Est-ce que vous m'entendez? Sì, Est-ce que vous m'entendez? benissimo. Ecco, stiamo vedendo dal vivo quello che abbiamo visto nella visita virtuale. È straordinario. Vi stiamo facendo perdere il Merci. pranzo, abbiamo sentito la campana del pranzo e vi stiamo trattenendo in collegamento. Non vi vogliamo perdere in questa occasione veramente incredibile. Merci à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous de partager avec les petits et les grands. Donc, bonne suite à chacun. Merci pour ce temps partagé. Grazie a voi, grazie alla Fondazione Ostara Ocean, grazie a Daniele Ridicone e grazie particolare al supporto dell'ambasciata francese in Italia. Ciao. Au revoir. Bon repas. Merci. 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 Merci